J'avais 20 ans. Je voulais être japonaise. C'était le but de ma vie. Konnichiwa, konnichiwa. Je voulais aussi devenir écrivaine. Mais c'est une autre histoire. Un jour, j'ai pu prendre un aller simple pour Tokyo. Pour y devenir enfin ce que j'étais malgré les apparences. Mushi mushi. Une vraie japonaise. Yes, I am the French teacher, yes. Œuf. J'avais un élève. Bonjour Henry. Les leçons de français se confondaient avec une sorte de tour organisé de Tokyo. Le Tokyo de Rinri. Toujours assez déroutant, je dois dire. Excusez-moi. Arrêtez de vous excuser. Excusez-moi. This is Amélie. Bonsoir. T'es belge ? Oui, ça sent aussi fort que ça ? Ouais, vachement. T'es pas un japonais comme les autres. Tu es sûre que tu es pas un yakuza ? Je suis un samouraï. J'avais un travail, des amis, une ennemie. Les hommes japonais avec les femmes occidentales, ça marche pas. Et mon amant japonais. Comme tu es belle. J'étais toujours heureuse d'être avec lui, mais sans lui aussi. Je m'étais perdue au Japon. Et c'est bien pour ça que la vie me plaisait. Ouais, c'est difficile d'être japonaise.